Bonsoir, chers compatriotes. J'espère que nous allons tous bien. Et ce soir, nous faisons un petit retour sur les élections présidentielles du dimanche 26 avril 2015. Et nous avons un certain nombre de questions à poser à M. Jean-Pierre Fabre et son vice-président Patrick Lonson. Ici, il ne s'agit pas d'attaquer les gens. Il s'agit d'interpeller ceux qui ont mis la vie de tout un peuple en danger et qui présument lutter pour ce peuple-là. Et il ne s'agit pas de défendre quelqu'un ou bien d'accuser quelqu'un, d'insulter quelqu'un. Il suffit juste de poser quelques questions substantielles, d'y réfléchir un peu et de trouver des réponses justes. Je vous invite tout simplement à une réflexion sur certaines questions que nous allons poser sur les élections de 2015. Et ne vous en faites pas, je viendrai sur les élections de 2010 également. Mais pour aujourd'hui, nous sommes en 2015. Les élections et la veille des élections. Monsieur Jean-Pierre Fabre et son vice-président Patrick Lonson, avant le scrutin du 26 avril, ce dimanche-là, ont effectué un voyage aller-retour, c'est-à-dire le samedi à la veille, c'est-à-dire le samedi 25 avril 2015 sur Abidjan. Ils ont fait un aller-retour le même jour pour rencontrer Ouattara. Que sont-ils partis faire à Abidjan? C'est la veille d'une élection avec tous les risques que cela comporte. Il peut y avoir un accident d'avion et nous allons perdre. Les deux candidats sur lesquels nous avons misé, ce n'est pas un, ce n'est pas n'importe qui. Le candidat du parti, qui est le président du parti et son vice-président. Il peut avoir une possibilité de retour au pays. Et les frontières sont d'habitude fermées dès la veille de chaque élection, en prévision aux troubles. Et pour empêcher que des mouvements des frontières n'aient lieu. Pour empêcher que des agressions, mais pour plusieurs raisons de sécurité, les frontières sont fermées. Tous les pays en Afrique, à ce que je sache, le font. Donc il y a tous ces risques-là. Mais pourquoi M. Jean-Pierre Fabre, le candidat que nous savons qu'il va gagner, parce que ni Adema ni Faure ne gagneront jamais d'élection au Togo, pourquoi sort-il du pays alors que son adversaire Faure Gnassingbé ferait tout pour empêcher sa victoire? Pourquoi est-il sorti la veille d'une élection alors qu'il y a beaucoup de probabilités qu'il ne retourne plus jamais? Ou bien soit gardé jusqu'à plusieurs semaines, plusieurs mois au-delà des élections. Mais il est sorti quand même du pays. Pourquoi, je me pose la question? Et la veille d'une élection, tout candidat sérieux se protège. Terré chez lui à la maison, protégé par ses gardes de corps, par ses militants, pour qu'on ne l'agresse, pour qu'il n'ait rien, le médecin à son chevet, pour qu'il soit bien, que les élections se déroulent bien, et s'il est gagnant, que sa victoire soit proclamée, et qu'il soit là, pour répondre présent au peuple. La veille d'une élection. Mais, lui, il a pris le risque de voyager avec le numéro 2 de son parti. Nous voyons ce que cela représente pour certains pays. C'est-à-dire que au Ghana, par exemple, on choisit toujours deux candidats, le président et le vice-président. En cas de caisse, il y a, le vice-président prend la relève. C'est le cas de John Atta Mills et John Mahama. Atta Mills qui est mort
en mi-mandat, en 2012, il a pris le pouvoir en 2008, 2009, et en 2012, il décède. C'est John Mahama qui devient automatiquement président. Donc, si quelque chose devait arriver à Jean-Pierre Fabre, c'est Patrick Lanson qui devait automatiquement le remplacer, mais ce sont les deux qui voyagent en même temps, si quelque chose leur arrivait. Mais les deux premiers de l'ANC ont quitté le pays et sont assurés de leur retour le même jour. Par qui et pourquoi? Au moins, quelles qu'en soient les raisons, ils peuvent déléguer des émissaires. Il y a Isabelle Amigavi. Il y a leur garde de corps, zélé de Amazon, Francis Pedro. Il y a le vieux conseiller Eric Dupuis. Il y a M. Naburema. Il y a Maître Dobrus. Il y a même Maître Georges Lanson. Non, les gens ne manquent pas. Pourquoi ne les délègue pas? Et c'est eux-mêmes qui vont apprendre tout ce risque la veille d'une élection. Pourquoi tenaient-ils à aller eux-mêmes à Abidjan la veille d'une élection au lieu de déléguer cette tâche aux gens? Bon, ils sont vus à l'aéroport de Lomé à leur départ et à l'aéroport d'Abidjan à leur arrivée. Ils ne peuvent pas nier, des témoins sont là. Ils ont pris l'avion en aller-retour avec des témoins qui les ont vus. Ces gros messieurs ne peuvent pas mentir sur cette date et sur ce voyage. Le 25 avril, samedi 25 avril, aller et retour, Lomé Abidjan. Pour aller faire quoi? Ouattara et Mahama sont venus rencontrer Jean-Pierre Fabre et probablement Patrick Lanson après les élections à Lomé. Le peuple s'est mobilisé devant le siège de l'ANC. Les partisans militants de l'ANC se sont mobilisés pour dire non au hold-up électoral une seconde fois concernant la candidature de Jean-Pierre Fabre. Mais c'est Jean-Pierre Fabre qui a dit au peuple, taisez-vous, rentrez chez vous, ça va se régler. Le peuple est rentré, nous savons que les élections ont été volées. Jean-Pierre Fabre n'a daigné porter plainte ou recourir auprès de la Cour constitutionnelle et nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là jusqu'à août 2017 où le mouvement du PNP surgit. Et c'est là où M. Jean-Pierre Fabre se lève pour bomber le torse et dire qu'il est chef de file de l'opposition. Titre que Fonia Simbe, John Mahama et Ouattara se sont arrangés pour lui attribuer. Donc, un tyran que tu combats crée un poste bien rémunéré avec des avantages, serait-ce pour t'aider à avoir des moyens financiers et de la notoriété pour mieux le combattre. Je veux juste que nous nous posons ces questions légitimes et que nous leur donnions la réponse adéquate, impartiale, objective, pour que nous découvrions tous la vérité. Ceci n'est qu'une séance de questions à M. Jean-Pierre Fabre, qui par ricochet a annoncé, me traduit devant les juridictions, je ne sais pas si c'est en France, en Suisse ou au Togo. Bon, si c'est en Suisse et en France, Dieu merci. Parce que Bolloré a déclaré avoir corrompu Fonia Simbe. Ce n'est pas Jean-Pierre Fabre qui va nier d'avoir corrompu. Ah, si c'est au Togo, alors M. Jean-Pierre Fabre fait confiance maintenant à la justice togolaise. Contre moi. Alors, ce n'est qu'une série de questions. On l'invita à dire la vérité au peuple ou bien à se retirer de la politique parce que il nous a trop menti. Ça suffit comme ça. Je mets point virgule ce soir et je lui reviens très prochainement. Donne Togoto. Wetroya, Ndibema, Obiobiolina Miso, Amebeble, que Jean-Pierre Fabre sont deux politiques qui amènent.
et Pebla t'envoie de Kaya. La Kokemida, Kosirabe, Retinegua, Beke Kebla, Vivoa, Degua, Bele, et puis Akbeve, Kudo, Yaton, Yamea. Akonwa, Endejo, Kaya, Melekwem, le Bia Gome, c'est Kaka Kubeo. Kembe, Emula, Kola, Sodakwa, Memela, Be, Retinegua, Beke Kebla, Vivoa, Aton, Yabea. Abeto, Jean-Pierre Fakudo, Patrick Lonsona, Osoya Mebu, Yi, Abidjan, Enidou Kuta, Owe de Goku Atara. Amokpo le président Sié, Amokpo l'aéroport de Lomé, Okpo le Abidjan, Be, Yamebu do Piachan. Ye Amedo, Avion Kudo, Yi Kubobo, Nyabe Nyawe, Oyi Abidjan, Bewabe, Obatrobo, Bewabe. Ye le Bios, Ebe, Nukayo, Vaiwo. Oja dako, bezandron gwenwa. Ye otuna deo. Voyo do kakarejibe yola te yola te bokoma tu dedo. Me kena o kakarejibon. Kenye be, ame kolekbe akokwa ye lekbo doaji. Ye dalo doaji. Me kenyo. Susu kentiye oten humona waya beo. Mi yi fane nyak batrobo. Kenye otuna deo. Eten jobe ya mebua. Et va être bancoudo. Quand on a mis que Dieu, de quoi somme, pourquoi d'arrober, y'a déjà d'accord, n'a pas de yole, aboyo mea. Y'a me bouva et bakwa mea baba. A mea baboke. Allo, tu couches le verre, que y'a me voix, blé, que ma batin wo, l'homme à Bidjan zouan. Ola son roi wo, gapopo yé vea. Kaka on y va droit tout d'un. Nous qu'elle est joyeux. Et t'es n'y bien fond la singa toi là, tout d'y a donné n'y bien nyao nyao. Eh, quand mette là on y, le wan on non ti. Nous qu'on fait la singa la dit qu'on bédoua n'y a bien Jean-Pierre Fabéja Boudi, et la dit qu'on bédoua n'y a bien godo. N'y a bien bédé bédo. Et là on retido, n'y a fia quoi avoua, n'y a nous favoua, et t'es n'y bova ma bâti on de pauvoua. Et démon n'y a bien Abidjan, vè dogo kou atara, bova bédoua bé. Eh, nous ya d'accord, mais en drogue béa. A messia me kenyi candidat ya ya quoi. Et j'en ai d'où que vous les bachoumé. Donc, il t'a no hadam et ne bine no po. Et bien, la messia bobe ne kwen bao. A me koula no dog béla no dog béla de bobovon baba don ponyo. Et gap kor ou militant ou jona huya di béa. Ne régime a tobe ya kasea. Et ne kwela josa ya me. O nona, de di non no de me voa. A peto Jean-Pierre Fakou, Patrick Lonson, ozomon. Wa me veni ak bonu glona NC. Iwa me veo jone ndeva e jode. Ako amu fiwa. Nuken le vevere nene o matin do ameo. Isabelle Amigaville. E do Bruce le. George Lonson le. Loya wa. Eric Dupuy le. Monsieur Naburema le. Francis Pedro ke le kalobe akudo Jean-Pierre Fabta ele. Nuken ti o matin do wo. Ye wa nto la wa fode de wa. A djafokoua, ben mon wadi, a kodada, ben zandro beau. Yo chami no bia mia no no, e nya won di se, e nya won se. Nou ken tio ge klik pa be yo a yi, a bidan wa koko koko koko. Ke yo la ten zon moa, konsira ve don ko, alo la note, konsira de ka, le a kodada ben be domyo. Tanyo, da se fole ke wepo odo ya me wado du aller retour akpata da se fole apeto Jean-Pierre Fakou Patrick Lonson matin da jio o matin po gbebere yo mzo mo wa po gbere o be yo ndogo ku atara o yi vai dogo ku susu kenti o e me gbea watara ku do John Mahama kenyi Ghana be du poto gawa mia o zo mo va po Jean-Pierre Fakou ke yo va po ya. O du quoi dozi ko da ko vo forfia. O dozi va le NCB et siège. O ben nya ke la jo akwe la jo. A peto jante fa kwe tonobo o mi jo ya kome be mi bo tu karao. Be yo la kwa nya wakbo. Evo. Evo do duzi to 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 to. Mou wakbale na ku konsyone se le kebe o ne koko be o ba fia kwa ke o. Ebo nukbo kaka. E do ame fasi be bleni gane ne. Kaka, akwe ve, kudo, ou ya dren ya me, ti kwi va site.
Edoua Egbadozi. Et nous avons dit, comme si c'était les stififio. Nous sommes Ghana, à l'Amérique, avec moi, nous sommes amis, amis, qui sont président. Et son ami, les Pérou et le Quinti. Et les Dodo Noyina, et Rakbo, Tokudo, et le Gomenoto, donc Jean-Pierre Fakudo, Patrick Lanson. Mais là, il faut que les gens soient, et Rakbo, Antia, et Dia, et le Gomenoto, bah, ouais, BTP. Mais là, John Marama, qui est à Mills, du président, sope akpeve udo ni guame akpeve kuwe guame be kuwa mahama e doli ne de keni afoku bende keye mahama kudo ata mirsi e kuzere kare e nuanti o bon anye debe wambe vya ongba no afoku beno nome rekpe me dojo amerika te no afoku beno nome me ame vegwa la doli nende joa voa Abonu gan se ba bonu gan me veo o be ma do me rodo wan toyi mu kentiema ngwa me ni va sebe chef de file de l'opposition ke ma rama fonya singbe kudo e watara o va so do tajine o le tout fini o le ne non non me do ke ngou sala no si ben ko fo la no so gana jan te fa bele bon ga bon se ni ava de mjo la zipe adia nya mezuzube nya ya olo nya bionya le nya tomi gboje butamia mi la pon gbogbo ne egbe to ari ma se lo fi apeto jan pe fabe la pon so i won drope nya ne togo e alo francia alo suisio ne suis ko francia ma ba pe na ma odo jojo yenye le fi ne bolore gbobe ya itin so ega so ble fo nu alo so pere nti so chaka nu Beni badu akọ apeve ku olia dia mu duje wo epele nti o fi a mu ni Jean-Pierre Fabre la va do vo von dine ba gbo le von drop le France à l'Ossis be en wa ton hoga entia ne son mi von drop ne togo be a son mi von drop le akemwa togo be von drop pe a ku regime mu ni ebe futo si bere ke bele gbo e kan ro aji apa yoni ke wa mi le nyan ke ye Jean-Pierre Fabre lenye. Lenye anu keye benye. Amolo anu danka anu kwa yi wano drope kwa olu. Ebe akpo monsenyo kwa jwe yi wano drope. Ebe ebe akpo nchaswa yi wano drope. Ok, mle no te kwe. Ne togo ya du kwa la nyan ke benye. Ne suis ko fansi ya. Ke mwa nyate pe ala to. Amesha me lakpo. Mi mu vana kwa vak bena. E nyare kwe kwe o. Mi bunata me senti denan be 20 kuna nu mebe e nyao beni ne mi tensi te gbe bebe ti pi le guiné afa qu'on les protéger bolor ku foro dans le mea e nu me kuku beni e pe geremi wo doa ni ton les fi e di non ne po di mo e nyo on do le gbre wa mu se na veve ni matin gbonya de kamere mu o so senti o ke yebe pe do di nu ni mu do e ti a Apeto Jean-Pierre Fabre. Obe ya kwa unyon drope. E ya kwa vakpe. E nyawane non subore jibene. Biki bebe la kwa unyon drope ya. Nya kwa meke la ki nyame la. Ke mwa togo to. We tro bokona mi. Mi anon vi jampo umolume gbe mi gbase. E kade le vivi nanama. Apeno daina fritas. Be kaye. Nye manu ale yao. E matron nyakbe. Ne de kukuna apeto Jean-Pierre Fabre ou blebi soubo mlebi apevon donji tchan de me et chave dossier bona apeto eme goge nyame wopata olu tchasona traore mi tro jime mi ba non e neao mi tro jime togo vio le kuo le kbe fudo mi abe politik indi mi le flo le kogale nou gobe mi abe non non me wakba le gble son keke yon keke entiare Ma on est venu, on est venu à trois dîmes. Même le matin, on a du koya. A quoi les soyi, vous vous me wa. Mais dans les politiques anti-américains, comme deux dollars à Sinamiolo. Mais en tant que business, ve, mon popo, y'a mi vado politique kame. En tia, mi trois dîmes. Daina Freitas. Still.
ma manière, ni ma manière, ni ma way. Emmanuel, 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 Em